say, silverman, ba-ba-da-da. They say, oh man, ba-ba-da-da. They say, oh man, ba-ba-da-da. Hey, say, oh man, ba-ba-da-da. Sauve notre ville. Devant. Excusez-moi, poussez-vous, laissez passer l'homme zélé. Oups, bon, désolé, attention à vos pieds. Hé, hey, c'est ma saucisse, n'écrasez pas Mimiche. Zéroman, avec toute cette nourriture, je parie que vous faites des provisions pour lutter contre la famine dans un pays du tiers-monde, hein? Non, pas tout à fait. Vous ouvrez un resto pour les sans-abri et pour les pauvres? Ou vous vous dévouez pour une noble cause super-héroïque, c'est ça? Non, j'avais besoin de remplir un peu le garde-manger. Bravo, Zéroman, et à ces nobles causes! À vrai dire, je suis un peu pressé. J'espère que vous avez besoin de monnaie. 1, 2, 3 et 4. Tu as fait du bon boulot au supermarché. Je suis pratiquement fier de toi. Oh, c'est gentil, maman, mais je me sens un peu coupable. Nous avons assez de vivres ici pour nourrir la population entière d'un pays en proie à la famine. C'est ce que j'ai entendu dire. Nous allons bel et bien nourrir une population affamée, imbécile. Nous recevons tout le troupeau des moutons. Est-ce que tous les moutons seront là? Tous les moutons, à l'exception de ton cousin, le très beau Samson Mouton. Quel garçon adorable! Et en plus, il a réussi, lui! Si seulement tu pouvais lui ressembler davantage! Non, tu vois, Samson est beaucoup trop beau et important pour assister à ce genre de réunion. Samson est beaucoup trop occupé pour prendre le téléphone, hein? Bonne nouvelle, Tati! En fin de compte, je vais pouvoir assister à notre réunion familiale. Oui! Samson va être des nôtres! Normalement, mon job si important m'aurait empêché de venir. Mais j'ai un nouveau job, plus important encore maintenant, à Fair City. Samson a un nouveau job à Fair City! Hein? Tu vas pouvoir loger ici chez ta tati préférée. Ton cousin Léo va libérer sa chambre ce matin même! Les systèmes météorologiques affectant nos régions résultent d'une activité inhabituelle dans l'homosphère qui entraîne une inversion nocturne inattendue. Mais chez nous, à Fair City, le ciel sera bleu et le soleil brillera gaiement. Oui, c'est indisputable. Oui, toujours indisputable. C'est ainsi que, au nom de tous ses collègues du Canal 7, je tiens à remercier l'indisputable Damien Daniel pour ses 17 années d'ennuyeuses mais indisputables provisions météo-illogiques. Que votre retraite soit douce, cher ami. Ma retraite? C'est quoi cette histoire de retraite? Je ne prends pas ma retraite. Mais c'est ridicule! C'est absurde, voyons, lâchez-moi! Ne me touchez pas! Vous regretterez le jour où vous vous êtes opposé à l'indisputable Damien Daniel! Vous pouvez en être sûr! Et voici un homme qui ignore la différence entre un baromètre anéroïde et le vieux thermomètre de sa grand-mère, mais qui a un physique télégénique. Voici votre futur météorologue préféré, le très beau Samson Mouton! Oh, Léo! Ton cousin est le nouveau météorologue du Canal 7! Oh, c'est déjà mon météorologue préféré! Je suis vraiment folle de Samson! Je suis vraiment folle de Samson. Oh, depuis des années, je l'entends répéter sans arrêt. Le très beau Samson a fait ci, le très beau Samson a fait ça. Si seulement tu ressemblais à ton cousin, le très beau Samson. Oh. Eh bien, je trouve que vous vous ressemblez déjà beaucoup. Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Le très beau Samson est tellement, tellement beau et brillant et charmant et sophistiqueté. Il est très éloquent aussi. Je ne lui ressemble pas du tout, Taï. Et maintenant, il vient habiter dans ma ville, dans ma maison, dans ma chambre. Il va porter mon pyjama. Oh, je refuse de supporter cet envahisseur. Voilà qui est parlé en héros. C'est bien pour ça que je vais me conduire en homme qui dirige la maisonnée. Je vais le prouver à maman. Je vais faire une fugue temporaire. Tu veux faire une fugue, toi? Tu parles de faire une fugue?
Bonne idée, Zeroman. Ça lui servira de leçon. C'est ce que je ferais aussi si j'avais une mère aussi autoritaire que la tienne. Et tu peux t'absenter sans crainte, parce que je suis plus que prêt à occuper tes collants jaunes. Et Fair City aura un autre super justicier. Zero Boy! Du calme, Gary. Zeroman ne va pas faire de fugue, il a 64 ans. Ce serait ridicule, voyons. 64 ans dans 3 semaines. Je peux m'occuper de tout, je te jure, c'est vrai. Je demande que ça. Zero Boy? C'est vrai, oui, t'as raison. Les héros ne pleurnichent jamais. Maintenant, file dans ta chambre. D'accord, j'y vais. Mais je vais me venger en cassant quelque chose. Non, au fond, c'est un bon petit Zero Boy. Oh oui, il est gentil. Mais ce que je voudrais bien que tu comprennes, c'est que ça ne sert à rien de fuir ses problèmes et que personne ne va te traiter en adulte si tu continues à te conduire comme un bébé. Nom d'un zéro que tu es perspicace, Ty. Je vais t'écouter. Je vais tenir tête à ce redoutable cousin de beauté diabolique. Je vais même tenir tête à maman. Léopold ? Léopold Mouton ! Je croyais t'avoir dit de vider ta chambre ! Léopold ! Je viens, maman. Je sors tout de suite. Une seconde, j'arrive. J'ai entendu. Je vais me conduire en homme. Je vais aller vider ma chambre pour la laisser à mon imbécile de cousin. Cet imbécile de cousin Samson, ce beau charmant imbécile de crétin à qui tout paraît réussir dans la vie. Voilà comme un homme doit réagir, Zeroman. Je suis fier de toi. Pendant 17 ans, j'ai créé de toutes pièces le beau temps proverbial de Fair City, ici même, dans mon laboratoire de création météo. Et on veut m'obliger à prendre ma retraite. Dire que j'ai fait ça pour être gentil. Et vous avez été vraiment très gentil et très généreux. Eh bien, il est révolu le temps de la gentillesse. Désormais, mon génie va verser dans la folie. Je vais être un génie du mal. Maintenant, je suis l'humidificateur. Permettez-moi de vous enlever vos lunettes, monsieur. Vous ne voudriez pas qu'on puisse vous reconnaître dans la rue, n'est-ce pas? Non, je veux l'éviter. Heureuse initiative, Miss Ladiforme. Voyons, voudriez-vous m'apporter mon gant radar? Un gant radar qui me donne le pouvoir de contrôler les caprices du temps du bout des doigts. Grâce à lui, je vais saper la crédibilité du nouveau météorologue chouchou du canal 7, le très beau Samson Mouton. Merveilleux, c'est impressionnant. Certaines personnes risquent de regretter le jour où elles se sont opposées à vous. Oh, elles le regretteront toutes, vous pouvez en être sûr. Oh, Miss Ladiforme, que c'est libérateur de rire. Voyons voir, avant de faire regretter le jour au beau Samson, nous allons offrir au monde entier une petite démonstration de mes remarquables pouvoirs. Qu'en dites-vous? Hourra! Prenez ça, célèbre monument du monde! Que c'est prodigieux! Quelle démonstration dévastatrice de votre pouvoir! Le mini-golf de Fair City ne rouvrira pas avant au moins une semaine. Ah, plutôt deux! Il est temps que tu te lèves, paresseux. Ton cousin est debout depuis des heures. C'est exact, cousin. Tu connais le proverbe. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comment oses-tu, Léo? Ce bacon est réservé à ton cousin. Voilà la liste des courses que tu vas aller faire pour la réunion de famille. Je voudrais bien t'aider un peu, cousin. Mais je dois me faire polir les dents ce matin. Il faut que je sois vraiment très en beauté pour mon nouveau job. Ça ne devrait pas être trop difficile. Oh, voyons. Je suis occupé, moi aussi. Je travaille fort, moi aussi. Ton cousin travaille à la télévision, Léo. Il lui faut son bacon. C'est un service public essentiel. Encore plus essentiel que la poste. Hein? Expliquez-moi pourquoi il faudrait que je me tape toutes les corvées. Bon, au moins Suzy a offert de m'aider. Suzy, tu as dit? Oh! Je vais ouvrir! Je vais ouvrir! Je vais ouvrir! J'y suis pas...
Vous êtes sûrement Suzy. Je suis Samson, le très beau Samson Mouton. Oui, je sais. Vous êtes le gars de la météo. J'ai toujours été passionné par la météorologie. Eh bien, je n'y connais pas grand-chose en astéroïdes, mais je sais que vous, ma chère, vous avez dû tomber tout droit du paradis. Salut, Suzy. Nous avons une journée chargée, alors ne traînons pas. Au revoir, cousin. J'étais ravie de vous voir. C'est vraiment pas juste. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me tape les courses et les corvées et pas Samson, hein? C'est sa stupide réunion de famille à lui aussi? Léo, aurais-tu oublié que tu es encore en pyjama? Ce n'est pas un pyjama, c'est une tenue de sport. Oh, je me posais la question parce que tu avais l'air très pressé de t'en aller, comme si tu ne voulais pas que je parle à ton cousin. Quoi? Ne dis pas de bêtises, Suzy. Pourquoi est-ce que je... Alors, il t'a plu à vous? Il a semblé assez charmant. Oh, il est charmant, c'est vrai. J'ai entendu ça toute ma vie. Pourquoi est-ce que tu ne ressembles pas à Samson? Samson est tellement charmant, et si beau, et si brillant. Nous sommes tous fous de Samson. Pardon, désolé, j'ignorais qu'il s'agissait d'un sujet si délicat. Il s'agit d'un sujet délicat. Tu as mis le doigt dessus. Un sujet délicat, le pire de tous. Oui, je déteste le très beau Samson. D'accord, mais je ne vois pas pourquoi. À vrai dire, vous êtes pratiquement identiques. Suzy, s'il te plaît, arrête. Suzy, je crois que nous devrions nous séparer maintenant. Tiens, tu vas te charger de la moitié des choses à faire et je vais voir si je peux faire l'autre moitié des choses à faire que je dois aller faire tout seul. Si c'est ce que tu veux, Léo. Mais à moins que tu veuilles que ta marmotte voie son ombre, tu devrais peut-être songer à boutonner ton pyjama. Oh, merci beaucoup. Et en fait, c'est une tenue de sport. L'heure est enfin venue. C'est le moment de prouver aux citoyens de Fair City qu'ils auraient dû apprécier davantage mes efforts. Le très beau Samson est sur le point de faire son bulletin en direct, monsieur l'humidificateur. Ne dites pas monsieur l'humidificateur, dites l'humidificateur. Désolé, monsieur. Elle est en onde. Si l'on en croit la carte météo du canal 7, il semblerait que Fair City soit traversée par... ces lettres qui flottent ici et là. Des L et des H, bleus et rouges. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi plusieurs lignes sinueuses ici et ici et des trucs qui ressemblent à des V à l'envers. Alors, enduisez-vous des crosses verts. Je suis prêt, Miss Ladiforme. Vous me préviendrez. Cette carte n'a vraiment ni queue ni tête. Mais je peux vous dire une chose, le soleil qui brille est magnifique et il va briller toute la journée parce que tout baigne toujours pour le très beau Samson Mouton. C'est le moment, humidificateur. Allez-y! Pourtant, nous avons peut-être un peu de risque de noirceur soudaine. Suivi brusquement de température extrêmement glaciale. Et d'éclairs aussi violents que localisés. Et parce que vous savez que le temps peut être parfois si imprévisible. Maintenant que j'ai totalement sapé la crédibilité professionnelle du bon Samson, je vais assouvir ma vengeance sur le reste de Fair City. Juste l'ouest, monsieur. Vous oubliez l'est et le nord et le sud. Oh, vous voulez dire le reste de Fair City. Désolé. Depuis des années, tout ce que j'entends répéter, c'est le très beau Samson par-ci, le très beau Samson par-là. Par la météo ont causé très peu de dommages à la propriété. Et voici maintenant le tout nouveau Monsieur Météo du Canal 7. J'ai parlé du très beau Samson Mouton. Merci, Basile.
Je vous prie de m'excuser, mais lorsque la foudre m'a frappé tout à l'heure, mes lentilles de contact ont fondu. N'en déplaise à mes admirateurs, je vais porter ces lunettes un peu démodées durant le bulletin. Nom d'un chien! Le très beau Samson Mouton! Et Géroman! J'aurais dû m'en douter. Tu n'aurais pas pu être Géroman! Bon sang, tes super allergies sont super terribles cette année. J'ai suivi ces étranges perturbations météorologiques et elles semblent avoir des causes artificielles. Elles émanent d'une source d'énergie située quelque part dans la ville. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que nous pourrions avoir à affronter un super criminel inconnu. Ces dernières heures, nous avons eu le plaisir de voir partout la nouvelle étoile du canal 7, le très beau Samson Mouton. Mais notre nouvelle recrue, le très beau Samson, ne se contente pas d'être un expert en météorologie. C'est l'homme zélé en plus, une autre exclusivité, exclusive au canal 7. Oh non, si le très beau Samson est vraiment Géroman, comment ferons-nous pour le détruire un jour? Même un ouragan n'arriverait pas à le faire céder. Mais c'est justement pour ça que j'ai créé ceci, Miss Ladiforme, mon implacable trouillomètre. Cet appareil détecte et identifie avec précision toutes les phobies météorologiques. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de la créer. Et le très beau Samson Géroman se sauvera la queue entre les jambes. Je vous présente Roland Mouton, Fernand Mouton, Marius Mouton, Clovis Mouton, Simon Mouton, Artémise Mouton et les deux Barnabé Bar et Nabé Mouton. Salut. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui, doublement plaisir de vous rencontrer. Oh, Suzy, j'ai hâte de vous présenter Samson. Il est tellement beau et brillant et charmant, il serait si parfait pour vous. Et c'est Géroman. Nous nous sommes déjà vus. Oh, le voilà. Ah, le voilà, il arrive. Voilà le très beau Samson, on est tous fous du beau Samson. Ouh ! Eh ben pas moi ! Et c'est moi, Géroman, c'est pas lui ! Et je n'arrive plus à le supporter ! Et je vais tout dire à Suzy ! Oh non, pas question ! Il y a une grave menace qui pèse sur nous ! Concentre-toi ! Attends, regarde ces miches. La source d'énergie est proche, et elle se rapproche encore. Notre nouvel ennemi se prépare à frapper, ici même, au parc Géroman. Ce qui veut dire que tu dois rester concentré et te préparer à agir. Et à faire honte au cousin Samson devant toute la famille. En tant que véritable Géroman, avec Zéro Boy à ses côtés. Non! Mais Gary et moi, nous allons nous concentrer de notre côté. Prêt à bondir en tant que Zéro Boy agissant quand le moment viendra. Non! Nous devons nourrir cette horde de moutons gloutons. Alors remue-toi! Ces hamburgers ne se serviront pas tout seuls, t'as compris? J'ai le très beau Samson dans ma ligne de mire! La cible est visée! Feu à volonté! D'après le trouillomètre, le phénomène météo qui déclenche la peur la plus irrationnelle chez le très beau Samson, ce sont les arcs-en-ciel. Un météorologue qui a peur des arcs-en-ciel. Fabrique-moi un bel arc-en-ciel. Oh, regardez, quel magnifique... Arc-en-ciel! Un arc-en-ciel au secours! Dites les moutons, vous l'ignorez encore, mais je m'apprête à faire pleuvoir sur votre pique-nique. Au secours! Ah, où est passé le très beau cousin Samson? Il est le seul à pouvoir nous secourir, oui! Où est Géroman? Très beau Samson, tu vas nous secourir! Je ne le dirai qu'une fois et une seule. Je ne suis pas le très beau Samson. Je vois que tu as surmonté ta peur des arcs-en-ciel, Géroman. Mais je pense que tes allergies te font vraiment beaucoup souffrir. Achou! À cause de mes allergies, je n'arrive pas à le vaincre. Tu vas y arriver. Ce sont tes allergies, la solution. Une analyse de tes mouchoirs trempés de sécrétions révèle que tu produis désormais de la super morve, une colle super adhésive puissante. De la super morve? Non, je ne te crois pas. Si, je t'assure.
crois-moi, je n'arrive pas à croire que je suis obligé de dire une chose pareille, mais tu dois l'arroser de morve, Zeroman. C'est notre seul espoir. Ce n'est pas en suppliant ton assistant de tété que tu m'échapperas. Prépare-toi à t'envoler une dernière fois, très beau Sanson Mouton. Pour la dernière fois, je ne suis pas... Je suis collé. Libérez-moi. Vite, relâchez-moi. Je vais vous aider, humidificateur. Attendez. Je viens, je vole à votre secours. Mon trouillomètre, idiot. Nom de Zéro, il a jeté le gant et je l'ai ramassé trop vite. Achou. Oh, c'est dégoûtant. Attention, il s'échappe. Et voilà, je vous ai battu. Je vous avais bien dit que vous regretteriez le jour. Oh. On peut toujours se fier à mes prévisions. Écoutez, je le dis, je le répète, je ne ressemble rien au très beau Sanson. Je suis Zeroman, pas Sanson. Moi, c'est moi, et lui, c'est lui, là. Il a disparu. Bon sang, je déteste les arcs-en-ciel. Ils sont affreux et si menaçants. Alors, le très beau Sanson n'est pas Zeroman? Allons, Sanson. Même si tu n'es pas Zeroman, tu es toujours très beau et tu restes mon mouton préféré. Souriez, mes amis. Il reste 10 secondes avant que ça parte. Où est Léo? Léopold! On n'attend que toi pour prendre la photo! Il s'en est fallu peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. C'est collé, je crois. Et dites mouton et souriez pour la photo. Mouh!